يوحنا 10. جون شابتر 10. الحق الحق بقول لكم. En vérité, en vérité, je vous le dis. ان اللي ما يدخلش من الباب لحظيرة الخرفان. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie. لكن يطلع من مكان تاني فده حرامي ولص. Mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. واما اللي يدخل من الباب. Mais celui qui entre par la porte. فهو راعي الخرفان. Et le berger des brebis. عشان ده بيفتح البواب. Le portier lui ouvre. والخرفان بتسمع صوته. Et les brebis entendent sa voix. فينادي على خرفانه بتاعته بالاسامي ويخرجها. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. ولما يخرج خرفانه بتاعته. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis. يمشي قدامها. Il marche devant elles. والخرفان تمشي وراه عشان هي بتعرف صوته. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. واما الغريب فما تمشيش وراه لكن تهرب منه. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. لأنها ما تعرفش صوت الغرباء. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. المثل ده قاله لهم يسوع. Jésus leur dit cette parabole. وأما هم فما فهموش إيه هو اللي كان بيكلمهم بيه. Mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. فقال لهم يسوع كمان. Jésus leur dit encore. الحق الحق بقول لكم. En vérité, je vous le dis. إن أنا باب الخرفان. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. الحرامي ما بيجيش غير عشان يسرق ويذبح ويدمر. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. وأما أنا. Moi. فجيت عشان تبقى ليهم حياة. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. وعشان تبقى لهم بشكل أحسن. Et qu'elles soient dans l'abondance. أنا هو الراعي الصالح. Je suis le bon berger. والراعي الصالح بيدي نفسه بدل الخرفان. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. وأما اللي هو متأجر ومش راعي. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger. اللي الخرفان مش بتاعته. Et à qui n'appartiennent pas les brebis. فيشوف الديب جاي يسيب الخرفان ويهرب. Voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. فيخطف الديب الخرفان ويشتتها. Et le loup les ravit et les disperse. والأجير يهرب عشان هو متأجر وما تهمهوش الخرفان. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. أما أنا فأنا الراعي الصالح. Je suis le bon berger. وأعرف بتوعي وبتوعي عارفني. Je connais mes brebis et elles me connaissent. زي ما الآب عارفني وأنا عارف الآب. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. وأنا بقدم نفسي بدل الخرفان. Et je donne ma vie pour mes brebis. وعندي خرفان تانية مش من الحظيرة دي. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. لازم إني أجيب دول كمان فيسمعوا صوتي. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. وتبقى رعية واحدة وراعي واحد. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. عشان كده بيحبني الآب. عشان أنا بقدم نفسي عشان أخدها تاني. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. محدش هياخدها مني. Personne ne me l'ôte. لكن أنا هقدمها من نفسي. Mais je la donne de moi-même. ليا سلطان إني أقدمها. J'ai le pouvoir de la donner. وليا سلطان إني أخدها كمان. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. الوصية دي قبلتها من أبويا. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père. فحصل تاني انقسام بين اليهود بسبب الكلام ده. Il y eut de nouveau à cause de ces paroles division parmi les juifs. فقال كتير منهم. Plusieurs d'entre eux disaient. في شيطان وهو بيخرف ليه بتسمعوا له. Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? ناس تانية قالت. D'autres disaient, مش ده الكلام اللي فيه الشيطان. Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. يكونش الشيطان يقدر يفتح عينينا العمي. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? وكان وقتها عيد التجديد في اورشليم. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. وكان الوقت شتاء. C'était l'hiver. وكان يسوع بيتمشى في الهيكل فقعد سليمان.
et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusque à quand tiendras-tu nos esprits en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous, franchement. Jésus leur dit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Et pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et il disait, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui.